Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est le Happy Lundi. Aujourd'hui je vais te partager mes astuces de pro afin de capter l'attention de ton audience cible. La question du jour est donc, comment capter l'attention de mon audience sur les réseaux sociaux? A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je te le disais dans l'introduction, je vais te partager mes astuces de pro, mes astuces de community manager afin de capter l'attention de ton audience et bien sûr générer de plus en plus d'engagement avec elle afin que l'algorithme puisse t'apprécier et du coup puisse montrer un peu plus de ton contenu. Mais avant de commencer, tout d'abord le shout-out de la semaine afin que tu puisses regarder un petit peu ce compte-là. Donc alors, je garantis que ce compte, il mérite sa place de shout-out de la semaine parce que vraiment, elle a tout fait pour pouvoir capter mon attention, donc j'espère que tu vas apprécier. Bon, commençons. Aujourd'hui, comme je te le disais, on va commencer à apprendre comment faire pour capter l'attention de notre audience sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi on veut d'abord capter l'attention de notre audience? Parce que la plupart des Instagrammeurs, la plupart des personnes qui se trouvent sur les réseaux sociaux et qui veulent créer de l'engagement avec leur audience, qui veulent avoir de plus de likes, qui veulent avoir de plus de visibilité, ont souvent cette problématique donc de créer des contenus en voulant absolument avoir des likes, mais sans penser à créer le post en faisant en sorte que ça puisse tout d'abord capter l'attention, attirer le regard pour ensuite attirer l'attention sur le fond plutôt que la forme, bien entendu. C'est ce qu'on veut en finalité de compte, mais le plus important dans un premier temps, c'est de capter l'attention. C'est comme la couverture d'un livre. Si la couverture du livre ne capte pas votre attention, vous n'allez pas regarder à l'intérieur et du coup vous ne saurez jamais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous ne saurez jamais si ce livre était intéressant, si vous apporterez peut-être de la valeur ou si vous fait voyager s'il s'agit d'un roman, mais au final vous ne saurez jamais si la couverture ne vous capte pas, ne vous donne pas envie de le lire. Ça va être la même chose sur les réseaux sociaux. Le visuel que vous allez avoir, que ce soit un visuel animé ou une vidéo, dans tous les cas, la première chose qui va capter notre regard, bien entendu, c'est l'aspect visuel. Ça va être l'aspect vraiment, j'avoue, qui est peut-être un peu superficiel, mais c'est la première chose que l'on va voir et qui va accrocher notre regard, qui va nous faire nous arrêter, en fait, parce qu'y a cet effet, encore une fois, comme je le disais la dernière fois, ou en tout cas dans beaucoup de mes vidéos, j'en parle, cet effet de scroll and stop, c'est-à-dire lorsqu'on va scroller sur les réseaux sociaux, voilà, comme ça, on va scroller, puis d'un coup, quelque chose va capter notre regard et on va s'arrêter. Et bien, c'est ce qu'on va rechercher, c'est ce que les gens s'arrêtent, ils vont arrêter le pouce parce qu'ils ont vu quelque chose, ils ont peut-être que c'était juste des couleurs vives, peut-être que c'était juste un petit élément textuel, peut-être que c'était quelque chose qui avait l'air d'être sympa, c'est peut-être quelque chose qui allait donner une impression de surprise, etc. Il y a plein de façons de le faire, mais dans tous les cas, il faut que ça capte le regard. Donc il y a des astuces qui vont fonctionner, mais tout d'abord, sache qu'il y a des chiffres qu'il faut vraiment que tu gardes en tête lorsque tu vas créer ton contenu. Sache tout d'abord que sur la plateforme, il y a 99% des utilisateurs qui ne créent pas de contenu. Soyons clairs, 99% des personnes qui se trouvent sur la plateforme ne sont pas des créateurs de contenu. Ce sont à 90% des personnes qui vont consommer le contenu, tout simplement, c'est-à-dire qu'ils vont voir le contenu mais vont jamais interagir avec. Ils vont juste le voir, voir vos vidéos, voir vos posts, vos visuels, lire vos posts, etc. Mais jamais ne vont interagir avec. Ils vont juste le consommer. Ensuite, vous avez 9% des utilisateurs, donc vous imaginez bien, 9% des utilisateurs qui vont concrètement réagir. Donc ils vont laisser un commentaire, ils vont laisser un like, ils vont laisser un pouce, ils vont partager, etc. Mais ce n'est que 9% de l'audience. Et au final, il n'y a que 1% de notre audience qui va créer du contenu et qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Donc on va vraiment se concentrer sur ces 10%, hein, ces 10% entre 1% de créateurs de contenu et 9% de consommateurs qui sont plus ou moins actifs sur les réseaux sociaux, et eux, ils vont être très difficiles
à très difficile, comment dire, à capter leur attention parce qu'il y a beaucoup 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 de contenu et dans la masse vous avez 90% qui vont juste regarder mais sans jamais interagir. Alors attention, il ne faut pas négliger pour autant ces 90% qui n'interagissent pas puisque néanmoins ils regardent votre contenu, ils vont être attentifs à votre contenu et parfois même ils vont revenir régulièrement pour consommer ce contenu. Ça veut dire qu'ils sont tout de même intéressés par votre contenu. Donc on ne va pas les négliger, seulement c'est vrai que la partie émergée de l'iceberg, ça va être ces fameux 10% qui vont, ces 9% qui vont vraiment interagir et ce 1% qui est vraiment très actif sur les réseaux sociaux. Donc première astuce qui est très importante parce que du coup sur les réseaux sociaux, on peut copier pas mal de choses, on peut copier vos visuels, on peut copier votre style textuel, on peut copier vos visuels, vos vidéos, on peut copier pas mal de choses, mais il y a une chose qu'on ne peut pas copier, ça va être votre personnalité. Vous êtes unique. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, absolument pas. Il n'y a pas deux Kelly comme moi, il n'y a pas deux personnes comme toi, il n'y a pas deux personnes comme l'autre. Donc, on est forcément unique. Donc, ma première astuce, ça va être tout simplement, lorsque tu crées tes posts, fais en sorte de raconter ton histoire. Le fait de partager ton histoire, partager peut-être des choses qui sont peut-être douloureuses, peut-être des choses qui vont être joyeuses, qui vont être humoristiques, peut-être que ça va être aussi des coups de gueule, mais en tout cas tu vas partager ton point de vue, ton avis, tu vas partager ton histoire, tes expériences, et ça va être très 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 bon pour toi, parce que du coup ton audience va pouvoir créer un lien émotionnel avec toi, et ça fait la différence avec beaucoup, 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 beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux. Parce que beaucoup essayent de percer sur les réseaux sociaux, mais beaucoup échouent parce qu'ils n'arrivent pas à créer ce lien émotionnel avec leur audience. Toi, tu vas être différent, tu vas réussir à créer du contenu qui va être différent en racontant ton histoire, en partageant ton expérience, parce que parfois, en partageant ton expérience et en montrant comment tu as surmonté certaines épreuves peut-être, eh bien tu vas inspirer d'autres et tu vas donner envie de te suivre parce qu'au final tu n'es pas juste quelqu'un qui poste sur les réseaux sociaux, tu es un être humain comme les autres et qui a peut-être des faiblesses, qui a peut-être des forces, etc. etc. Et ça va vraiment donner un coup de boost à tes réseaux sociaux. Deuxième astuce, on va lorsqu'on va faire des légendes, lorsqu'on va écrire ses posts, puisque lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on a l'aspect visuel mais on a aussi l'aspect textuel, c'est-à-dire qu'en dessous de ces visuels on a ce qu'on appelle une légende ou une description, un descriptif. Et dans ce texte-là, ce que je t'invite à faire très vivement, c'est ne pas faire de texte plat entre guillemets, en ayant des phrases plates, en ayant des points de vue très plats. Il va falloir que tu aies, en tout cas les posts qui sortent du lot sont souvent des posts qui vont être soit des coups de gueule, je te dis pas de faire des coups de gueule tout le temps, mais soit des phrases où il y aura en tout cas des descriptifs, des légendes qui vont avoir des mots très forts. On va pas avoir par exemple dans une phrase type le nombre de mes followers a baissé, au lieu de ça on va dire le nombre de mes followers a dégringolé, a chuté littéralement. On va avoir vraiment des mots très forts. Le fait d'avoir des mots très forts, ça va impacter également ton audience de façon très forte également. Donc, c'est la même chose pour tes visuels. Lorsque tu veux capter l'attention, tu vas faire en sorte que dans tes visuels, s'il y a du texte, s'il y a des éléments, tu vas faire en sorte que ce soit des éléments qui sont impactants, que ce sont des éléments qui sont forts, où on va mettre vraiment des mots qui vont vraiment donner envie d'en savoir plus, qui vont intriguer, qui vont être entre guillemets des teasers. Ensuite, troisième astuce, ça va être de, en général, ce que je constate sur les réseaux sociaux, ce qui fonctionne très très bien, surtout dans les descriptifs, ça va être de donner des exemples, que ce soit dans le texte, que ce soit dans les images, c'est de donner des exemples qui vont illustrer ton point de vue, qui vont illustrer par exemple dans les carousels, de pouvoir illustrer ton point de vue, de pouvoir illustrer ce que tu veux enseigner peut-être, de pouvoir donner des analogies en fait, tout simplement.
moment ou peut-être même le faire de façon assez humoristique, eh bien ça va capter infiniment plus le regard, capter infiniment plus l'attention de ton audience que si j'avais juste expliqué banalement comment créer des posts sur les réseaux sociaux. Si je le fais de façon beaucoup plus humoristique avec des visuels qui sont humoristiques, avec peut-être des visuels de BD, ou si je fais des visuels très élégants, ça va capter une audience très particulière qui aura le même état d'esprit, et ça, encore une fois, ça va capter une audience très pointue et qui va te suivre beaucoup plus fidèlement. Et dernière astuce, on va faire en sorte d'avoir des visuels qui seront irréprochables. Alors surtout sur Instagram, vous aurez remarqué qu'Instagram est un réseau social de l'image, donc il faut vraiment que vos visuels, vos vidéos, que ce soit des visuels, que ce soit des vidéos, que ce soit des posts animés, dans tous les cas, il faut que ça capte le regard, mais que ça soit de façon le plus, en tout cas pour ma part, je trouve qu'un visuel qui est beau et agréable va plus donner envie de le regarder qu'un visuel moche, quoique il y a quand même des exceptions, parce que quand un visuel est vraiment moche, quand le visuel est vraiment dégueulasse, pardon, hein, mais c'est ça, eh bien, bizarrement, les gens vont s'arrêter également. Mais bon, moi, je vous recommande quand même d'avoir de beaux visuels qui sont bien faits, parce que quand t'es une fois un visuel moche qui va être avec des couleurs flashy, peut-être que ça va capter l'attention, mais au bout d'un certain temps, ça lasse les gens d'avoir quelque chose de dégueulasse. Moi, j'ai pas envie d'avoir dans mon feed, en tout cas, surtout sur Instagram, d'avoir dans mon feed des visuels moches. Donc, dès que je vois qu'il y a quelqu'un qui poste un peu compte auquel je me suis abonnée, désolée, dès que je vois un compte auquel je me suis abonnée et qui partage des visuels qui sont trop moches, qui sont inesthétiques ou qui sont pas compréhensibles, qui sont pas clairs, qui sont bourrés de plein de trucs mais au final c'est pas clair, eh bien je vais me désabonner. Alors ça va être la même chose pour votre audience en général. Les gens aiment bien avoir des posts qui reflètent ce dont ils ont envie, qui va les faire rêver, qui va les inspirer, qui va les motiver, qui va leur donner envie de voyager en fait quelque part. Donc si vos visuels sont léchés, sont bien faits, vous allez clairement inspirer et vous allez vraiment vous détacher du lot. En fait, vraiment, le fait de vouloir viser la qualité, ça va toujours vous démarquer par rapport à toutes les autres personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des posts juste comme ça, mais qui au final ne sortent jamais du lot parce que ils ne cherchent pas la perfection, en tout cas ils ne cherchent pas à faire quelque chose de propre. Alors ne cherche pas toujours à être dans la perfection, parce que malheureusement, en voulant toujours faire quelque chose de parfait, eh bien on ne passe pas à l'action. Mais par contre, essaye de progresser, d'avoir une marge de progression afin de commencer quelque part, mais de au fur et à mesure progresser afin d'avoir un feed qui de au fur et à mesure on voit la progression, on voit que tu progresses et non pas le contraire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas, abonne-toi à la chaîne afin d'être tenu au courant des nouvelles vidéos. Surtout, active la cloche, parce que c'est par ce biais que tu seras notifié des nouvelles vidéos qui seront postées sur la chaîne. Et surtout, partage, commente massivement cette vidéo. Fais comme la personne qui a eu le shout-out de la semaine. Essaye d'avoir un maximum de commentaires, partage un maximum, cette chaîne un maximum sur les réseaux sociaux, car en te voyant, tu vas peut-être capter mon attention et tu seras peut-être le chanceux qui sera dans le shout-out de la semaine. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous sommes... Non, non. Pourquoi ?